Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne semaine. Alors donc je viens à vous aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo, tout simplement des conseils pour être heureux dans un couple. D'accord? Alors pour être heureux dans un couple, alors premièrement, dans un premier temps, écoutez beaucoup de musique joyeuse. Des musiques qui vont vous faire bouger, qui vont vous faire rigoler, qui vont vous faire marrer. Voilà, d'accord. Voilà, donc deuxièmement, donc c'est bouger, c'est-à-dire aller faire des tours, aller faire du sport, aller vous amuser. Si vous avez un chien, promenez votre chien. Si vous avez des enfants, allez jouer au parc. Donc bouger, bouger, bouger. Donc troisièmement, cultiver des amitiés. Donc voilà, c'est très important d'avoir des amis, pas forcément des amis intimes, des personnes avec qui rigoler, faire des petites, tout simplement des petites fêtes, des petites soirées, ça c'est très important. Alors quatrièmement, dites merci. Dites merci souvent aux gens parce que c'est très joyeux. Pour moi, le merci, c'est gratuit. Voilà, donc cinquièmement, souriez de l'intérieur. Pas forcément de l'extérieur, de l'intérieur. C'est-à-dire quand quelqu'un tout simplement vous rendre service, souriez de l'intérieur. Quand vous êtes au travail, souriez de l'intérieur. Ça rend joyeux et ça permet d'être en bonne santé et en forme. Donc, sixièmement, économisez votre salive. Parfois, laissez passer certaines choses qui n'en valent pas la peine. Quelqu'un peut vous croiser dans la rue, vous parler mal. Franchement, évitez de répondre à chaque fois. Évitez de répondre à chaque fois. Vous pouvez passer, franchement, vous passez inaperçu. Ça fait du bien. Ça fait que cette personne ne gâche pas votre journée. C'est très important. Voilà, donc, ensuite de cela, donc, si vous voulez, donc, franchement, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont très importantes dans la vie. Voilà, donc, prenez la vie du bon côté. Évitez d'être toujours nerveux, d'être toujours sous les nerfs, d'accord? Même si une personne à votre travail, tout simplement, vous avez votre responsable qui, bien évidemment, vous met de la pression. Restez calme, ne répondez pas, prenez sur vous, restez vraiment calme. Ça vous permet tout simplement d'être joyeux dans la vie. Ça vous permet d'être calme dans la vie. Ça vous permet tout simplement de prendre sur vous, de prendre la vie du bon côté. Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont très importantes. Moi, c'est ce que je pratique depuis quelque temps, depuis quelques années. Avant, j'étais en fait, je sautais sur la première occasion pour m'énerver. Je sautais sur la première occasion pour dire des choses vraiment, qui n'en valaient pas la peine. Et tout simplement, ça plombait ma journée, ça rendait ma journée triste. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas tout simplement de liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.